bah écoutez, bonjour, bonsoir, c'est Réval et aujourd'hui on se retrouve sur Ace Attorney, Phoenix Wright, premier jeu, deuxième épisode de Volteface des Sœurs. Jour 1, l'enquête, on va enquêter. Allez, c'est parti. Donc, chargé de données sauvegardées, oui. Je vais t'arrêter là, donc maintenant, découverte. Je suis en direct de Twitch, le lien est dans la description, n'hésitez pas à venir. Allô? Ici Maya. Salut Maya, c'est moi. Mia? Quoi de neuf? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Ah désolé, j'étais très occupé. Comment vas-tu? Plutôt... seul? Par ta faute! Non, je te taquine. Je vais très bien. Je me fais enfin l'idée de vivre seul. Content d'entendre ça. En fait, je t'appelle parce que j'ai servi à te demander. Je sais, tu veux que je garde des preuves pour toi? Toujours aussi maligne. On parle beaucoup du prochain procès. Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder les preuves. Je comprends. Alors, c'est quoi cette fois? C'est... une pendule. Une pendule? Ouais, elle a la forme de la statue du penseur. Et le dealer? Je pensais que ça te plairait. T'as toujours aimé les jouets. Hey! Je suis plus de gamine, hein? Ah oui, vous l'entendez aussi, je suis un peu enrhumé. Alors, allons, tu sais que je te taquine. Là, au fait... que je te dise, la pendule ne parle plus. Oh, elle marche plus? Quel dommage. Ah, j'ai dû retirer le mécanisme, désolé. J'ai glissé des documents à l'intérieur, à la place. Des documents? C'est ça la preuve, de... c'est ça l'épreuve alors. Bah, possible que ça devienne... ça devienne en tout cas, oui. Peux-tu passer au bureau ce soir, disons, à 21h pour l'apprendre? Alors que, avant ça, je participe à une réunion au tableau procès. Ok Frangide, ben en échange tu m'invites à dîner hein, quelque chose de bon hein. Genre des hamburgers. J'aimerais bien manger un bon hamburger. D'accord, d'accord. On ira au même endroit que d'habitude. Ok, marche est conclu. A tout à l'heure, Frangide. Oui, je t'attends Maya. Conversation enregistrée, 5 septembre, 9h27. Septembre de 20h57, cabinet d'avocat Fay & Co. Maintenant, il faut que je trouve une voix. Maintenant, mademoiselle Fay, je vais récupérer ce qui m'appartient, les documents. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous. Je peux vous dire ce que je n'ai pas. Mademoiselle Fay, vous ne savez pas mentir. Yeah, je les vois juste là. Et c'est le penseur qui a dû avaler ses documents. Comment le savez-vous? Oh, vous ne connaissez donc pas mon passé? Mon métier, c'est de récolter des informations, voyez-vous. J'aurais dû me méfier davantage. On dirait le Père Noël, mais bon, c'est pas lui. Chère mademoiselle Fay, je suis tellement, tellement désolé. Mais j'ai bien peur de devoir vous demander une dernière faveur. Votre silence éternel. Adieu, mademoiselle Fay! Oh non, mais on voit encore le tueur! Oh non! Quel dommage! Red, white, blue. Septembre 21h08, cabinet d'avocat Fay & Co. Mais c'est qui l'écho? Oh oh, je suis en retard. Tiens, bah c'est bizarre, la patronne a déjà dû rentrer chez elle. Bon, elle a dit que sa soeur devait passer ici pour qu'on aille dîner tous ensemble. Cette odeur. Du sang? Mia! Pas de truc pour voir sur quoi on peut cliquer.
odeur, du sang. Francine! Il y a quelqu'un. Pas trop? Pas trop? Pas trop! Qui êtes-vous? Ah. Cette fille bizarre est sortie sans rien dire. Je l'ai laissée s'allonger sur la banquette. Je suis retourné auprès de la patronne. Elle gisait là, sous la fenêtre. Son corps était encore chaud. Je l'ai senti lorsque j'ai posé ma main sur son épaule. Puis, tout d'un coup, sa température a commencé à chuter. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement froide. Pas trop! Bon, il est difficile de la voir dans cet état, mais je dois trouver le moyen d'un doute. Elle a reçu un coup violent sur la tête. Elle est probablement morte sur le coup. Le penseur! Si je le trouve à côté d'elle, doit être l'arme du crime. Il y a des éclats de verre à côté du corps de la patronne. Il doit provenir du lampadaire en verre qui s'est cassé en tombant du haut de la pièce. Le reste de lampadaire en verre cassé les deux de son tour. Là, il se trouve la lettre. Il est tombé de la main de lumière. Maya, bien qu'il y ait ça, le morceau de papier est le reçu d'un grand magasin et de bière. Allez, c'est les pouvoirs, on va mieux lâcher la police. Je vais découvrir ce que c'est que c'est ici. Il y a un grand bâtiment juste en face du bureau. L'hôtel Gatewater, un bel endroit, très luxueux. Il suffit de voir ça, mais il faut pour bien. Comme le qu'elle ait été frappée à la tête à l'aide d'un gros objet. On va le mordre sur le coup. L'éclat de verre s'est empilé sur le sol. Apparemment, il provient d'une lampadaire en verre. Le lampadaire de la patronne. C'est de simple fonctionnel, on y est plus bien assis. Très utile. La couverte de sang séché. Quelle ironie, c'est le nouveau larme de feu. Bon, je crois que j'ai tout fouillé, hein, donc je suis bien. Cette fille que je viens de croiser, où est-elle bien pu aller? Je l'avais dit de s'asseoir juste là sur ce canapé. Oh, j'espère qu'elle s'est pas échappée. Ah! Ne me faites pas défrayer pareil! Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Tout va bien, je travaille ici. Maya. Maya Fey. Maya Fey. Maya? Mia a donc écrit le nom de cette fille? Je devrais peut-être lui montrer le refus. Jamais je ne devrais penser qu'un document pareil puisse servir en dehors d'un tribunal. Avant de mourir, Mia a écrit un message à son sort. Elle l'a décrit au verso et doit se refuser. C'est mon nom! Pourquoi aurait-elle écrit mon nom? Je vous en prie, jamais vous. Pourquoi ma soeur aurait-elle écrit mon nom? Oh, trop tard. Je ferais mieux de me dépêcher et d'appeler la police. Qu'est-ce qui s'est passé? L'air chaud. Excusez-moi, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je suis entré, je faisais noir. Et ma soeur, ma frangine, elle était donc déjà morte. Pas vous et Mia, vous êtes soeur. Vous êtes soeur. Et vous lui rendiez visite à ces temps-là?
Oui, elle m'a dit qu'elle voulait que je garde des preuves pour elle. Des preuves? Ouais, c'est cette pendule, celle du penseur. Bon, la réception, c'est là que je m'assois généralement. Ouais, c'est le meilleur volant du monde, aucun autre niveau de droit le plus intéressant. Ici, de regarder ces étagères, ça serait certainement assez différent. Un petit secrétaire sur lequel dans son filet des productions de bureau. Cette banquette est destinée aux clients, elle est en cuir à grand bout d'allume. Un grand tableau, je suppose qu'on appelle ça de l'art moderne. Pour ma part, j'appelle ça une erreur. La porte du bureau et de la patronne, elle est déjà pas ouverte. Il faudrait mieux de ne pas toucher. Bon, j'ai tout examiné. Attends, on va regarder. Mis à part, la patronne n'a jamais été liée aux machines. Utilisant dans une attaque pour ses emails. Elle a déchiré ce vieux modèle dans un vide-grenier pour ne bouger pas. Dans le livre de comptabilité de Fayette, le patronne y a tout consolidé avec son équipe particulier. C'est un petit cabinet, mais qui génère un bon paquet d'argent. Pendant la patrouille de l'attente. C'est là qu'elle rejette ses dossiers, les derniers jugements prononcés. Bon, je parle mieux d'appeler la police. Bizarre, sorti du vide du combiné où il est enlevé. Il faudrait que quelqu'un s'apprête à le démonter. Oui? Je vous en prie, venez vite! Qu'est-ce que c'est que ça? Je me regarde fixement. Elle a téléphoné là-bas. D'accord, tu peux te déplacer, j'avais pas vu que tu pouvais te déplacer avec toi. Et là, où est le deck? Ok. Là, je vais revenir en arrière du coup. La police? On dirait qu'ils sont par ici. Ne bougez plus, police! Detective, ok, le detective, ok, d'accord. Ok, attends, comment je fais. Ok, attends. Ok, je suis inspecteur du detective, vous voyez. Detective? Detective? Mais quel nom bizarre. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose, vous voyez. Une personne nous a dit avoir vu un meurtre, vous voyez. Cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bon, je veux que personne ne bouge, ok? Ça, j'arrive plus à retenir sa voix. Génial, tout simplement génial. Maya, une seconde, elle n'aurait pas. Ah! Excusez-moi. Ah, c'est bon, Maya, ça vous dit quelque chose? Ça. C'est mon nom. QE! La victime a écrit ce mot avec son sang, voyez. Dans son dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin. Assassin? Mais je suis pas. Un verre glacé, je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Du quoi? Ouais, la petite sœur de Mia a été arrêtée sur le champ. M'emmener pour interrogatoire et je ne suis ressorti que le lendemain matin. Une paupière lourde, très lourde, mais impossible de trouver le sommeil.
Je suis resté assis là à attendre le début des heures de visite à son centre de détention. Il fallait que je parle à Maya au plus vite. Septembre 9h07, centre de détention par l'ouest. Bah, la pauvre Maya est enfermée ici comme une criminelle. Oh. C'est vous, l'avocat? Bonjour. Bonjour. Elle a l'air très fatiguée. Vous êtes mon avocat? Bah, c'est justement que de cela que je voulais vous parler. Si vous le souhaitez, bien sûr, c'est pas possible, désolé. Si vous le souhaitez, autant la laisser choisir. C'est à vous de décider. À moi? Oui. Je ne pense pas que ce soit à moi de prendre cette décision. Après tout, c'est vous qui avez des ennuis. Ils ne vont jamais me croire, pas vrai. Même vous, quand vous m'avez trouvé, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. Vous avez regardé comme ça, moi? Non, non. Non, 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 j'ai jamais pensé. Ça va, je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. De moi? Qu'avez-vous entendu à mon sujet? Je discutais avec ma soeur l'autre jour au téléphone. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait prendre, ses premiers pas devant un tribunal. Waouh, vraiment? Mais comment ça s'est passé? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis resté sur les nerfs en permanence, ça faisait longtemps. Ah, alors il s'est planté en beauté? Oh, c'est un génie. Du genre de ceux qui font cauchemarder les criminels. La seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Eh ben, on dirait que tu t'en es bien amusé. Maintenant, je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Ah, je sais pas, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu. Il sera prêt dans 3 ans. À moins que tu ne souhaites être déclaré coupable. C'est ce qu'elle a dit. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous vexer. Non, ça va. Je suppose que c'est la vérité. Mais d'un autre côté, je ne peux pas rester assis là sans bouger. Quand je pense à celle qui a fait ça, Mia. Je sais. Rassurez, vous êtes filmé. Regardez sur le parloir. Il n'a pas bougé d'un plus. Un vrai pouce. Oui. Votre tenue, qu'est-ce qu'elle signifie? Ah ça! C'est la tenue typique des acolytes. On peut dire que c'est mon uniforme. Des acolytes? C'est une formation religieuse? Vous faites quoi exactement? Oh, rien de bien étrange, vous voir. Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Médium? Ah, vous aurez qualifié ça d'étrange. Voilà. Alors comme ça, vous êtes une acolyte. Une apprentie médium? C'est ça! La famille Faye, les femmes surtout, ont toujours été très sensibles aux monstres rituels. Une petite minute, vous avez dit la famille Faye? Alors Mia touchait également à ce genre de truc? Bien sûr! Elle a dit avoir quitté la montagne pour suivre sa carrière. Elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels. Je ne savais rien. Attendez! Quoi? Vous êtes donc un vrai médium sans rire, personne sensorielle et tout ça? Oui, mais apprenti. Mais alors, vous pourriez entrer en contact avec l'esprit Pia? On a qu'à lui demander qui l'a tué. Pardonnez-moi, mais en fait, je suis qu'apprenti. Faut pas faire un truc d'un petit mot. Évidemment, ça aurait été trop facile. Bonjour, Zéber. Et oh, salut Scorpio! Bonjour, bonjour! Comment vas-tu? Enfin, rebonjour du coup, hein. Pourriez-vous me parler du jour du meurtre? Bien sûr! Voyons voir. Alors ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès. Une preuve? Oui! Cette pendule en forme de penseur. Telle fait par Paul. En quoi cet objet pouvait-il faire office de preuve dans un procès? Elle a dit quelque chose à ce sujet. Ah, je me souviens! Vous souhaitez l'entendre en parler d'elle-même? Elle-même? Oui! Je suis quasiment sûr que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable. Vous l'avez enregistrée? Bah oui!
Et je me souviens plus comment on fait pour supprimer ce genre de choses. À votre portable. Hop, je sors du combat. Ah ouais, comment ça? Eh ben, re-bienvenue en France, on est en 2023. J'espère que le combat n'a pas été trop long. Vous dites que votre portable renferme une conversation que vous avez avec votre soeur. Écoutons là. D'accord. Ah. Là, je vais le rappeler. L'inspecteur a pris mon portable. Désolé. Ah bon? Évidemment. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur détective, je lui demanderai. Je vais vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas, ok? Bah bien sûr. Donc quelque chose ne va pas? Je me pose une question, je peux vous demander un service? Ici l'adresse d'un avocat renommé. Ma soeur me l'a donné il y a longtemps. Elle a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devais l'appeler. Eh ben j'ai des ennuis. Vous voyez que vous pourriez aller lui demander s'il accepte d'être mon avocat? Bien sûr, pourquoi pas. Vous allez voir. Merci infiniment. Je n'ai personne d'autre vers qui vous tournez. Mais, et vos parents? Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci, le procès a lieu demain 10h. Quoi? Demain? Demain. Et si tu me refuses? Mais ils m'ont dit que si je n'avais pas d'avocat, on en désignerait un autre. Et vous avez jusqu'à quand? Cet après-midi, c'est ça. Et les heures de visite sont bientôt terminées, je vais me dépêcher! On va lui poser des questions sur le genre du meurtre. Yo, salut Adam! Bonjour, bonjour! C'est quoi ce jeu? Bah, c'est Phoenix Wright, un jeu d'enquête, visual novel, avocat, tout ça, tout ça. Voilà, Scorpio, il a très bien répondu. Désolé, je sais que ça doit être difficile. Non, ça va! Ces dernières heures, je n'ai fait que ça, en parler. Je commence à m'habituer. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je garde une preuve dans un futur procès. Le bandeau du penseur. Oh, Paul, on voit pas ce que j'ai vu. Je suis en série, mais non. À quelle heure êtes-vous arrivé au cabinet? 8 environ, 21h. Toutes les lumières étaient éteintes et il y avait une odeur de sang. Puis je l'ai trouvé, ma sœur. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre pour le moment. Bon, j'ai rien à lui donner. Bon, eh ben, on peut se déplacer. Cabinet d'avocat Rosenberg. Allons voir ce qui se passe. 6e temps, au cabinet d'avocat Rosenberg. D'après la réceptionniste, le grand patron est sorti. Mais elle n'a pas su me dire quand il reviendrait. Ça ne doit pas être évident de se tenir au courant de tout lorsqu'on est un grand avocat. Sans parler de la gestion d'un cabinet comme celui-là. Bon, je reviendrai plus tard. Moi, t'en vas fouiller. Ce tableau m'a dérangé dès que j'ai mis les pieds dans ce bureau. La couche de peinture à l'huile est si épaisse que j'en ai presque le nez bouché. D'ailleurs, je suis sûr que son prix a également de quoi couper le souffle. Solide bureau noir d'acajou. Le bois est tellement ciré qu'il brille. Des étagères d'acajou hors de prix, remplies de livres hors de prix. Bizarre, on dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts. Un avocat avec des livres qu'il a jamais ouverts. Il nous cacherait pas des choses, lui? Une porte verte très chère. Aucune idée du genre de plante que c'est, mais c'est sûrement la plus chère qui existe. Fou, tu riche. Une table destinée aux clients. Un élégant étui en ébène, et si je ne m'abuse, cendrier est en or. On peut dire que quelqu'un ici a de l'argent à jeter par les fenêtres. Ah, c'est dommage, t'as pas de poids pour savoir si t'as tout fouillé. Oh, bon, j'ai du tout fouillé. Tiens, je vais retourner au cabinet. Je redespie. Ok, à toutes, Scorp. Le bureau grouille d'office de police. Il recherche tout ce qu'il y a. Hey, vous là-bas! Ceci est le lieu d'un crime. Putain, j'arrive plus, je me souviens plus de l'accent que je lui avais fait. Interdiction d'entrée. Ah, excusez-moi.
Ouais, excusez-moi. Je vous ai déjà pas vu quelque part. Chef, vous êtes en train. Vous êtes un certain de fait, c'est ça? Non, 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 Phoenix Wright! Comment peut-on me confondre avec Paul? Ah, j'ai dû me tromper de nom, Ra Monsieur Wright, je m'en excuse. Ce de fait, c'était un meurtrier, et c'est pas votre cas, en vrai. Il était innocenté. Ouais, exact, et vous êtes. Dictaphone! Oh là là! Dicloner! Dictative! Exact, à votre service. Une minute pour vous, je suis l'inspecteur technique, mon gars. Hop. Enfin bref, arrêtez d'aller décrocher mon nom. Et surtout, ne m'oubliez pas Dick. Hey Dick, amène-toi un peu par ici. Ah monsieur, j'arrive tout de suite. Vous êtes son avocat, c'est ça, mon gars. Vous avez des trucs à faire par ici, je vous conseille de faire vite. Oula, il pense que je suis l'avocat de Maya. Je vais parler. J'entends bien, mademoiselle, croyez-vous à procéder de plus. Je reconnais les résultats, en vrai. Ne me regardez pas comme ça, mon gars. Ok, c'était votre boss, mais ça veut pas dire que vous aurez atteint mon faveur. Bon, d'accord. Vous pouvez voir le rapport, mais c'est tout. Date du décès, 21h, le 5 septembre. Non, le 9 mai plutôt. Trauma par coup violent, mort tout le coup. Au sujet de Maya. Ouais, j'ai hâte d'être au procès. Désolé mon gars, mais ce procès-là, vous n'allez pas gagner. Pourquoi dites-vous ça? C'est Hunter qui a été nommé pour représenter l'accusation. Hunter? Sûr que vous savez ce que ça signifie, parce que vous-même, vous êtes avocat. Avocat Hunter. Exact mon gars, monsieur Benjamin Hunter, en personne. Minute, vous savez qui c'est, non? Absolument pas! J'ai entendu parler de lui. Ouah, et vous prétendez avocat, mon gars! Il y a environ 4 ans, ce tueur est devenu avocat à l'âge de 20 ans. Tout le monde dit que c'est un génie, c'est incroyable que vous ne le connaissiez pas. Bien sûr que je le connais, je vois juste les réunions. C'est une machine insensible sans cœur, prête à tout pour condamner à l'accuser. Bien sûr, des bruits courts à propos de pots de vin et de fausses preuves. Mais je suis sûr d'une chose, la haine que Hunter voue au crime est quasi anormale. Je n'aurais jamais pensé que je me retrouverais face à lui avec un pouvoir. Ok. Et Rescorp. On a l'impression d'être bonne vie. Je me souviens qu'elle avait un nom bizarre. Un nom dont personne ne se rappelle. Cordilie du Stricta, mon gars. Qui était-ce? Laissez les grilles, mon numéro aussi. Il y a cet hôtel juste de l'autre côté de la rue. Il y a plus de films. Apparemment, c'est le premier film qui est fait pour lui. Donc je regarde à T4. Pour une Mia. C'est tout ce qui manque, c'est Mia. C'est-à-dire quand il y a un nombre phénoménal du livre de droit. Et ce qui est encore plus peur, c'est que Mia les a vraiment tous eu. Il peut se déplacer. Ah voilà. Je me demandais, auriez-vous vu le téléphone du portable de mademoiselle de Maya Faye? Ah ça, ouais, je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de me le prendre? Bien sûr. Et attendez un peu, mon gars. Espèce d'avocat malicieux. Oh, démasquer. De façon détournée. Bon, je ne peux pas être franc avec ce type, mais qu'est-ce que je pourrais bien inventer? Un problème? Oh non, c'est Kando accroché au téléphone. Ça? Il écrit le samouraï d'acier, guerrier du nouveau vieux Tokyo. Le samouraï d'acier, c'est ce héros de série télé. Oui, vous voyez, ce cordon est une pièce de collection. Elle avait peur de le perdre si le téléphone était apporté au commissariat. Vous avez dit ça? Oui. Ok, mon gars. De toute façon, j'ai noté tous les numéros qu'elle avait appelés. Prenez-le. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. J'ai terminé, mon gars. Oui, merci. Je m'en vais maintenant. Oh, attendez. Encore une chose, je voulais vous dire. J'imagine que vous n'envisagez pas de parler à ce témoin. Et de toute façon, je vous déconseille. Je vous interdis d'influencer le témoin avec vos manières d'avocat, mon gars.
Maintenant que j'y pense, je l'avais totalement oublié. Tu vois? Oui, mademoiselle, moche avril. Vraiment désolé. Mais je ne peux rien vous dire dans ce sujet. Bien, vous venez de me donner son nom, mademoiselle Avril, non? Non, vous l'avez déjà envoyé chez elle? Vous essayez de m'avoir avec vous êtes avocat. Elle ne doit pas sortir de sa chambre. Elle doit... Ah ouais, voilà, comme ça. Elle ne doit pas sortir de sa chambre. Jusqu'au procès. Donc elle est toujours dans l'hôtel en face. Inutile d'essayer d'obtenir la boîte d'information de votre part, j'imagine. Vous avez bien raison, mon gars. Il est temps de rendre petit à mademoiselle, oui. Mia, Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu m'as pas appelé. Moi, je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. C'est une pendule à la forme de dealer. Oui, le bord, le truc. Oh, elle ne marche plus, quel dommage. Des documents, c'est ça. Quoi? Quoi de neuf? Le go détective! Hein, moi je le fais pas comme ça! Le go détective! Oh putain, j'arrive plus, ça y est! Rayman, faudra que tu fasses part d'une connerie que j'ai lue il y a 2-3 jours. Faudra que je te fasse part d'une connerie que t'as lue il y a 2-3 jours! J'ai plus de conneries. Tiens, bonjour, mon bras! Bonjour! Bonjour! On se calme, right, on se calme. Vous êtes avocat, c'est ça? L'inspecteur m'a dit. Il a dit, c'est de rien, c'est un bouquin, Zen. L'autre pour moi-même. Remercie l'inspecteur détective de me faciliter la tâche. Ouh là 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 là, je crois que je vais vous activer. Tout ça est si excitant que j'ai du mal à me contrôler. Ouh, je vais aller me refaire une beauté, comme ça je serai la jolie témoin oculaire. Ah, j'appelle l'avocat qui nous refuse nos contrats, c'est déjà un peu. De vie c'est coincé dans le tiroir. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous faites? Je vous interdis de toucher à ça. Ouh, vilain garçon. Vous ne devriez pas fourrer votre nez dans les affaires des autres, hein, vous savez. Vous ne devriez pas me faire de la peine, tout de même. De la peine? Pendant une seconde, j'ai bien cru qu'elle allait exploser. Je me demande ce qu'elle peut contenir, ce tiroir. Déjà des rayons du soleil de l'été entrent par la fenêtre. Pour le bâtiment du café et du coup, bien entendu. On voit l'intérieur de la pièce. Donc il me paraît assez difficile de reconnaître un visage de ce temps. Une bouteille et deux verres sur la table. Rien d'autre doit occuper la chambre avec elle. Il a été fait il n'y a pas longtemps, rien de propre ici. Ah, une peinture morte, à moi qu'on dit plutôt une nature morte. Ouais, il y a une nature morte. De vos fleurs, j'en doutais. Hormis le tour de sol et les tulipes, ma connaissance florale est très limitée. Je me demande si. Vous pensez qu'on pourrait discuter tous les deux? J'ai besoin de que vous décriviez précisément ce que vous avez vu au moment du crime. Ouh, des crimes, crimes! Vous parlez comme des avocats qu'on voit dans les films! J'aime les hommes qui possèdent un gros vocabulaire! Ne vous pas l'encourager. Vous savez ce qui s'est passé l'autre jour dans cette horrible chose? Qu'avez-vous vu quand elle s'est produite? Je pense que vous ne pouvez pas m'en dire plus, même si je vous demande encore. Voyons voir. Mais ben, vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez le savoir, vous n'aurez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Au revoir de moi. Et oh, salut à l'idiot. Bonjour, bonjour. Faut aller voir l'autre avocat, c'est ça? Bon, je sais pas, je vais aller voir. Bah, ben, GG pour le drop, à l'idiot. GG pour la rendu coup. Hop. Je reprends la ligne. Loul. Je rends le café pour moi. Les économistes, Corp, t'as raison.
Hop. Pourriez-vous vous expliquer ce genre? Ouh, monsieur l'avocat, direz-vous de me draguer? Non, je fais seulement mon boulot. Ah, vous savez que vous êtes mignon quand vous rougissez. Croyez-moi, c'est la première fois de ma vie que je vous dis autant. Mais bon, pouvez-vous juste me dire de quel est votre métier? Eh bien, non. Vous y croyez, hein? Ouvre de moi. Je vois qu'il y a deux verres sur la table. Vous êtes ici avec quelqu'un? Ouh, quel exemple de l'observation! Vous devez être un super détective, comme ceux qu'on voit à la télé. Oh non, moi, pas du tout, je suis juste avocat. Non, moi, je me suis embrouillé. Si, monsieur, allez donc chercher des indices dans la poubelle. Mademoiselle Vril n'aime pas les petits avocats fouilleurs. Ouvre de bois. C'est vrai que les verres sont sortis. Ah! Voilà, ça y est, on y est. Connasse, mais tout à fait! Ah, tu sais, typiquement les gros niasses, quoi. Alors, ça, c'était le plus gros raclement de gorge que j'ai jamais entendu. Bon, Alors, c'est vous qui me cherchez? Ouais, c'est moi, ouais. Il est encore plus imposant que j'imaginais. On se base sur votre col. Oh, j'en déduis que vous êtes avocat, ne dites pas. Oui. Mais que voulez-vous? Je ne suis pas trop occupé ces jours-ci. Je vous en prie, poursuivez. Occupé? Bah alors pourquoi était-il impossible de vous joindre? Quelque chose ne va pas? Vous êtes venu voir le seul, l'unique Samuel Rosenberg, n'est-ce pas? Eh bien, mais voici mon garçon. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Ah bah, monsieur, en fait, c'est à propos de Maya Fey. Ah, ouais. Ouais, Maya Fey, ouais, c'est ça, ouais. Continuez. Pourquoi une telle réaction? Ta-ta-ta. J'ai beaucoup à faire, mon garçon. Je ne peux pas accepter des dossiers du jour au lendemain. C'est impossible. Bah, attendez une minute! Comment savez-vous que le procès doit avoir lieu demain? Ah. Quoi qu'il en soit... Il m'est impossible... Il m'est impossible de le défendre, j'en ai peur, désolé, fin de la discussion. Mais qu'est-ce qui se passe? Refusé avant même que j'ai pu lui demander. Qu'est-ce que je vais dire à Maya? Pourquoi tel refus? S'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous rejetez ce dossier. Ben voyez-vous, c'est juste que... Ben j'ai du travail, voyez-vous. Mais la cliente est la sœur de... Mais la cliente est la sœur de Miafeuille. Mia, vous faisait confiance, elle savait que sa sœur serait entre de bonnes mains. Oui, bien sûr. Moi aussi. Moi aussi j'aime l'alcool à 90 degrés. Mais tout de même, je suis navré, je crois que je dois refuser. Désolé, au revoir. Sale type. Très bien. Je n'ai pas de temps à discuter avec vous, de toute façon, j'ai à voir ailleurs. Maman, je pense pas. Pardon? Quoi? T'as dit quelque chose? J'ai dit, je ne pense pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis vraiment désolé. Mais j'ai bien peur qu'aucun avocat de ce nom n'accepte ce dossier. Désolé, vraiment désolé, mon garçon. Mais pourquoi ça? Je ne peux rien dire. Pardon, mais je dois vous demander de partir. Maintenant, je n'ai plus rien à vous dire. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Comment savez-vous que bien fait? Elle a travaillé ici il y a longtemps. Une sacrée apprentie. Elle a pris tous mes trucs en un clin d'œil. Un jour, elle est partie, assez subitement. Elle avait une mission, voyez-vous. Une mission? Mon sens voyait dans ses yeux. Elle la poursuivait avec une passion dévorante. Ah, ça ne regardait jamais en arrière. Ce tableau est surprenant. Bon, vous l'avez remarqué?
Tu peux pas faire tes ma joie, dites pas potion dedans, eh bien. Vous pouvez pas. La couleur du ciel, l'urse de la mer, le tissage du chapeau de paille. Il vaut au moment 3 millions. Mais je n'ai aucune intention de m'en séparer, bien entendu. Non, je ne demanderai pas. Pas même à vous. Bah, j'étais pas intéressé de toi, ça. Il n'est pas à vendre. Je ne suis pas acheteur. Bon, eh ben écoutez, hop. Retourne voir bien, hein. Lul. Répète enculé. Vas-y, dis, qu'est-ce t'as dit, qu'est-ce t'as dit, mec. Parle, dis les termes. Salut. Ah, oh, vous êtes revenu. Vous avez trouvé l'avocat? Qu'est-ce que je vous dis? Bah, vous voyez, sonnette. Je pense pas que ce soit une très bonne idée de faire appel à ce type. Il ne m'a pas paru en très bonne santé. Il n'a que la peau sur les os. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ne me dites pas que. Il a refusé de m'aider! Oui. Je vois. Tout le monde m'abandonne alors. Voilà, j'ai récupéré votre téléphone portable. Oh, vite. Je pourrais écouter la voix de ma sœur? Elle a fermé les yeux, elle a écouté chacun des mots avec une telle intensité. Au bout de quelques instants, les larmes ont commencé à couler le long de ses joues. Merci. Pas de moi de votre famille. Je n'avais que ma sœur. Mon père est mort alors que j'étais qu'une toute petite fille. Et je n'ai pas eu... pour ma mère. Je ne sais pas. Je vais te dire qu'elle est toujours vivante. Les femmes de ma famille sont des médiums depuis des générations. On dit que la perception de l'ascension réelle coule dans nos veines. Il y a une quinzaine d'années, votre famille a été impliquée dans une affaire. Il y avait cet homme, il a détruit la vie de notre mère. Détruit ? Après ça, elle a disparu. Plusieurs années plus tard, ma soeur nous a annoncé qu'elle souhaitait devenir avocate et elle a quitté la montagne. Bah alors, vous vivez seule? Oui, j'ai fini par m'y habituer. Et puis, il fallait que je devienne autonome ou je risquais de perdre mon pouvoir de perception. Je plaide pour elle, seule dans cette montagne. L'ennemi de votre mère. Dites-moi, qui est cet homme? Qui a détruit votre mère? J'ai eu une quinzaine d'années pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle. Ça avait fait beaucoup de bruit, tout le monde en parlait apparemment. La police était à court de piste. Elle commençait à perdre espoir. Une minute, ils n'ont pas fait appel à une voyante quand même. La police a convaincu ma mère de tenter d'entrer en contact avec la victime. Oh. Et donc? L'affaire a été résolue. Enfin, c'est pour rien. Pour rien? Comme que ma mère a aidé à capturer des innocents. Le fait que la police ait fait appel à une voyante avait bien été... Et bien sûr, c'est une secret. Ben. Un homme l'a découvert et a jubilé à la fin. Il a dit aux journaux que ma mère était une charlatan. Et les médias se sont acharnés. Elle, ma mère, est devenue la rivée de tout le pays. Donc c'est la musique, comment ça? J'aimais pas l'OST précédente, mais ça connaît bien avec l'ambiance. Ah, j'ai pas fait gaffe. Excusez-moi, White? C'était son nom, ma sœur me l'a dit, White. Encore une minute avant que cet avocat de l'office n'arrive. On va la défendre. J'ai pris une décision. Je vais vous défendre, que vous souhaitiez ou non. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je ne veux pas vous abandonner. Ce n'est pas vous la coupable. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous abandonner. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui n'a pas d'amis. Ah, je le sais, j'ai connu ça. D'ailleurs, quelle est la raison principale qui fait que je suis devenu avocat? Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de ceux qui n'ont personne à leur côté. Maya, je ne t'abandonnerai pas. Je compte sur moi. Je suis si gentil de votre part.
J'ai appris. Bon, on remonte nos manches et on vous sort de ce pétrin. D'accord, merci. Elle a enfin expliqué un sourire. Elle a transformé... Elle est transformée quand elle sourit. Une dernière question, vous êtes innocent, n'est-ce pas? Bah oui, évidemment. Mais j'ai confiance en vous. Alors, vous avez confiance en moi, d'accord? Non, j'ai compris. Bon, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Quelque chose me traquait depuis un moment. Qu'est-ce que le tiroir de cette femme bizarre peut bien dire? Quand j'ai tenté de voir s'il y avait dedans ou qu'elle était mise en... sur la défensive. Il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. On va retourner aller le voir. Ah, un groupe, d'accord, ok. Les deux ST avant que tu présentes sur le tel, je t'en vais. Ok, ok. Pas de soucis, Scorp. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous êtes... je vous prie de m'excuser, monsieur. Je suis le groupe de cet établissement, à votre service, monsieur. Ah, d'accord. Je suis simplement venu pour le room service, monsieur. Seriez-vous, c'est trop mademoiselle Brille? Oh, je crois que l'autre... que notre hôte, mademoiselle Brille, utilise actuellement les sanitaires. Ah, si vous avez besoin de rien, je vais vous prendre congé. Vous en prie, restez aussi longtemps que vous le voudrez. Oui, oui. Non, attendez! Pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte? Une minute, ça c'est l'occasion de rêver pour flirter un petit peu. Ah, j'allais oublier! Ah! Vous êtes rendu rapidement! Pourrais-je vous demander d'informer mademoiselle Brille qu'il y a un message pour elle? Et lui dire que monsieur White de la société Blue Corp a téléphoné. Ah, d'accord, ouais, bien sûr. Monsieur White de Blue Corp. Est-ce que j'ai entendu ce nom? C'est Alanis, monsieur White! White est le nom du type qui a détruit la mère de Mia et de Maya. Serait-ce une coïncidence? La tournevis n'est pas de tiroir, mais ouverte. Saison de voir ce qu'il y a de l'intérieur. Voyez-vous ça? Une bande d'écoute téléphonique! Mais qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien faire avec un truc pareil? Je vais le dire vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel? Il est en guise d'ouvrage, j'en suis persuadé. Bon, je viserai cette année demain au prochain, c'est certain. Bon, pour Maya, je vais me la faire, cette femme. Je vais me la faire, cette femme! Je veux dire, enfin bon, je comprends. Oh, monsieur le groupe, vous êtes encore là? Oh oh oh! Pas pour moi de ficher le corps. Je viens d'être à demain. À suivre au prochain épisode de Phoenix Wright. Regardez la progression. Oui. Ah, maintenant, là est la question. Est-ce que je fais ça en deux épisodes? Ou est-ce que je vous fais ça en un seul épisode? Alors...